Et salut à tous, c'est PFR Ranger FR sur PES 2016 dans le mode Vers une légende avec l'épisode 49. Et on va de suite attaquer avec un match contre l'en avant Guingamp, toujours avec l'Olympique de Marseille. Et on a 89 de général. On approche de la mi-saison et du 50e épisode où je vous réserve une petite surprise. Enfin, une surprise. Une petite surprise. Vous verrez ça. Allez. Oh, la frappe à côté du cadre. C'est parti sur les chapeaux de roue pour l'OM. Toujours trois matchs aujourd'hui. Attention, le ballon, c'était pour Torres dans le dos de Bacca, mais Bacca était à l'interception. Attention, Erding. Erding l'a frappé, l'arrêt de Mandanda. Le corner pour les Guingampais. Et leur jeu qui est signalé là. Le centre second poteau, ce serait un corner pour les Marseillais. Ballon dégagé des points. Ouh, la frappe contrée, le but marseillais. But de Deulofeu. Et 1-0 pour les Marseillais. Torres qui réclame le ballon. Il se retourne, il enchaîne la frappe qui est contrée par le défenseur. L'arrêt du gardien, mais Deulofeu avait bien suivi. La frappe de Torres encore à côté du cadre. Le centre vers Erding, mais le ballon qui va sortir en 6 mètres. Et leur jeu qui est signalé là, sur cette passe en direction de Nicolas Torres. Sean qui va dégager son camp.
Torres. Ouh, c'était vers Torres, mais c'est intercepté. Lösel qui dégage. La frappe et l'arrêt de Lösel. Erding pour Livolan. Et la mi-temps qui est signalée par l'arbitre sur ce score de 1 but à 0 en faveur l'Olympique de Marseille. Attention, Baka. La frappe de Lucas Silva et le deuxième but de Marseillais. 2 à 0 pour l'Olympique de Marseille dans cette seconde mi-temps. Torres qui est passé, Torres la frappe. Et le troisième but, 3-0 pour les Marseillais. Et le but de Torres, qui récupère le ballon dans les pieds, il passe entre les défenseurs et il enroule sa frappe au second poteau, magnifique. Attention, Coco sur le côté droit. Coco qui centre. Et le ballon qui est dégagé par la défense. Le ballon profondeur vers Torres. Mais Angoua a été le plus prompt. Torres qui va au pressing. Erding, possession du ballon, Coco. Ballon récupéré par les Marseillais. Le ballon de nouveau en profondeur vers Torres. Mais Angoua est toujours là. Angoua, Livolan. Livolan, le ballon récupéré par les Marseillais. Et le hors-jeu qui est signalé. Ah, dommage, c'est une 2 qui n'a pas réussi. Ballon pour Torres sur le côté droit. Torres le centre. Dégagé par la défense. Et voilà l'arbitre qui cible la fin de ce match sur le score de 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qui continuent d'enchaîner, de marquer et de gagner.
Mais Paris gagne également devant. Ils n'arrivent pas à les rejoindre. Là, ils ont gagné contre Nice 1-0. Voilà, on a 12 points d'écart avec le Paris Saint-Germain. On n'est pas loin des 100 buts marqués. On en est à 94 là, en 133 matchs. Donc, deux bonnes stats. Hein. Le début de carrière a été difficile. Mais là, c'est nickel. Allez, le dernier match avant la période des transferts. Alors qu'on a marqué 21 buts en Ligue 1 cette saison en moins de 20 matchs, je crois. Je crois que c'est la 20e journée. Là, le FC Metz à présent. Allez, Mitrovic qui engage avec Crivé. Torres. Torres en direction de Thauvin, mais c'est trop long. Ouh, Torres qui a failli récupérer ce ballon. Mitrovic. Le dégagement de la défense et la récupération. Le ballon pour Torres. La récupération Messine. Ou Messène, je sais plus. La faute signalée. Sassi. Attention, le jeune. Les Messins qui ont eu une occasion de marquer là. Le ballon pour Torres qui est trop long. Thiago Gomez. Le jeune. Sassi. Attention, Torres qui va récupérer le ballon. Il a été repris par Thiago Gomez. Diaby à présent. Manquillo, Diaby, Thauvin. Ouh, dommage, c'était bien fait cet enchaînement marseillais. La frappe de Torres au-dessus du cadre. La mi-temps sur le score de 0-0. Les Marseillais sont dominés dans la possession de balle, mais ils ont eu les plus grosses occasions dans cette première mi-temps. Le ballon vers Torres.
Et la récupération du gardien. Nuno Reis. Cabela pour Torres. Torres, qui a failli passer. Et Crivet qui se fait subtiliser le ballon. La frappe de Torres qui troue le gardien. Et l'ouverture du score avec cette frappe puissante de Nicolas Torres. Le gardien s'est troué. Voilà la frappe et l'erreur de main du gardien. Cabela qui sort remplacé par Luca Ocampos. Allez, Thauvin sur le côté droit, repris par Thiago Gomez. Le ballon en profondeur, qui est trop long. Cette touche, Manquillo qui sort remplacé par Rolando. Torres qui va accélérer sur le côté gauche face à Métanir. Le centre, second poteau, la tête de Thauvin et l'arrêt de Lecomte. Thiago Gomez sur le côté gauche à présent. Doucouré. Iconiex. Mitrovic subtilisé, qui se fait subtiliser le ballon, pardon. Torres qui perd le ballon. Attention, les Messins qui vont tenter d'égaliser. Et voilà la fin de ce match sur le score de 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Un but de Torres juste après l'heure de jeu. Voilà, 1-0. On est homme du match encore avec une note de 8. On enchaîne les victoires. Et là, on voit pas si Paris a gagné. Toujours 12 points d'écart, c'est pas possible. Ils ont fait 19 victoires en 19 matchs. 95 buts, plus que 5. Et c'est les 100 que vous verrez dans une vidéo. Hein. Bien sûr, je vous remettrai les 100 buts de Torres. Nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe. Ah ah, intéressant ça. Voyons, comment on peut voir ça. Plan de jeu. Drazic, je pense. Et Alex Garcia, je pense que c'est eux. Allez, le dernier match avec le FC Nantes. La 20e journée qui va démarrer. Et on est titulaire.
Allez, le FC Nantes pour affronter Marseille et pour empêcher Torres de marquer et l'Olympique de Marseille de gagner, bien sûr. L'ancien club de Torres avec qui il a joué en deuxième division. Donc Nantes est remonté, le centre de Torres qui est contré par Rochy. Dubois face à Thauvin. Rochy. Rochy qui est pressé par les Marseillais. Rochy qui est envoyé vers Adrian. La touche pour les Nantais. Le ballon pour Cabella. La frappe et l'arrêt du gardien. Waouh, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pourquoi il me la donne là? Silva pour Deulofeu. Non, c'est au Campos qu'on est sur le côté gauche. Le ballon qui est sorti, ce sera un 6 mètres pour les Nantais. Rongier face à Thauvin et le ballon qui sort en touche en faveur des Marseillais. Le dégagement de Viscarando. Ah, Torres qui n'est pas parvenu à passer face à Dubois. Attention. La frappe de Torres à côté du cadre. Oh, le ballon qui est légèrement trop long pour Torres. Dubois avec Adrian. Sigurdsson. Et la mi-temps qui est sifflée sur ce score de 0 à 0 entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. Les Marseillais dominent cette première mi-temps, mais ils n'ont pas trouvé la faille. Ah, dommage, ce ballon qui est mal négocié par Thauvin. Cabella. Cabella avec Mendy. Cabella. Le ballon pour Ocampos sur le côté. Torres, la frappe de Torres, c'est le but. Le but de Nicolas Torres. 123e de la saison. Ou 22e. Et il ouvre le score. Face au FC Nantes. Bien joué. Cabella là, qui trouve Torres entre deux défenseurs. Et puis Torres qui frappe en se retournant pied droit. Qui se retourne et qui frappe plutôt. Walonga, et voilà, la faille a été trouvée par Torres encore une fois.
Attention, Sigurdsson au duel. Les Marseillais seraient en défense. Attention, Torres au duel avec Walunga. Viscarando. Dubois qui dégage son camp vers Sigurdsson. Adrian sur le côté gauche. Adrian le centre, la reprise de volée de Rochy, mais ça à côté du cadre. Et Thauvin qui sort remplacé par Deulofeu. Non, le hors-jeu là. Il avait trouvé le chemin défilé, mais bon, le gardien s'est arrêté, donc pas de mérite. Bedoya qui sort remplacé par Bamou. Yacine Bamou. Campos avec Cabela, Cabela Torres. Ah, dommage, ballon de Cabela qui était en destination de Torres mais qui est contré. Et Bamou qui va remonter le terrain, le ballon pour Sigurdsson dans la surface et il sort tout seul en sortie de but. Ocampos qui sort remplacé par Steven Fletcher, le numéro 9. Ballon, c'était vers Torres, mais c'était trop long. La récupération marseillaise dans le rond central. Torres qui va pouvoir se retourner, mais Rongier a été plus rapide. Torres qui est fatigué en cette fin de match. Et la victoire marseillaise sur le score de 1-0. Et c'était PFR Ranger FR. Merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde!